Hey, salut gang, je voulais vous montrer ma dernière acquisition dans ma collection. Ces fameux rack à poster, où ce que ça fait longtemps, ça fait un an que je cherchais ça, où ce que j'ai pu mettre toutes les bannières que j'avais ramassées des bannières de la Coupe Stanley, qui avaient dans les caisses de bière, tout ça ici. Ensuite, j'ai pu mettre mes vieux journaux que j'ai, les expos, les années 69, première année des expos. Même chose ici. Encore des vieux journaux, Hank Aaron, Roberto Clemente, Johnny Bench, ma première idole catcher des Reds de Cincinnati, Willie Mays, encore des expos, des cartes postales des Canadiens, on tombe dans le hockey un peu plus, encore des vieux journaux des années fin 60, début 70, Gaston Vachon, mon idole, avec son premier match, ici en haut, encore comme ça, vieux journaux, ah, ici la Coupe Stanley. Des journaux qui, le front page, c'est les Coupes Stanley des Canadiens et la dernière de Toronto en 67. Encore de magnifiques posters de couleurs, des Canadiens, Yvan Cournoyer, Dave Keown, super de beaux posters. Les mini bannières qu'il y avait dans les bières, dans les caisses de bière Coors Light, il y a 4-5 ans. Et je termine tout ce set-là avec les calendriers que je possède dans ma collection. 72, 73, ça va en baissant comme ça. 1969, 70, si on voyait dans ces calendriers-là les équipes d'étoiles, c'est super beau. Ici, on voit Gaston Vachon qui avait gagné son trophée Vézina avec John Worsley. Et plus vieux encore, 67, 1960, 1957, calendrier, 54, 52, et mon plus vieux ici, 1948. Et je termine, que j'ai pas posé exactement dans une chose, mais c'est dans le... quand même pour ça qui dépasse aussi, fait que je l'ai quand même mis là pour le conserver, je ne peux pas l'accrocher totalement comme les autres. Fait que voilà, c'était la dernière acquisition de ma collection. Merci.